Salam alaikum, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Omtoum Foodies, marhaba bikoum fi qanati. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous ma recette de gâteau à l'ananas renversé, donc un gâteau au caramel. À l'ananas et au caramel. Donc, bismillah. Pour la pâte, on aura besoin ici de 200 g de sucre en poudre. Ici, j'ai 150 g de beurre, du beurre fondu. Ici, j'ai environ 350 g d'ananas, des tranches d'ananas, environ 7 ou 8 tranches, je crois, il y a. Ici, j'ai 250 g de farine, un sachet de levure chimique et 4 œufs. Voilà, donc ça, c'est pour la pâte. Et ici, j'ai 125 g de, 125 g, pardon, de sucre en poudre pour le caramel. Voilà, donc bismillah. On va commencer par faire le caramel. Donc, ici, je vais prendre mes 125 g de sucre. Je vais les mettre dans ma casserole. Voilà. Et je vais laisser fondre tout doucement. Et que ça devienne du caramel. Donc, surtout, ne remuez pas. Si vous voulez de temps en temps remuer, vous prenez seulement votre casserole et vous bougez un petit peu comme ça. Mais surtout, ne remuez pas avec... avec votre spatule, voilà, ça pour éviter qu'il cristallise. Donc voilà, je vais le laisser caraméliser. Alors voilà, ça commence à caraméliser. Faites attention, vous remuez de temps en temps, vous baissez le feu si vous voyez que c'est trop fort. Vous baissez le feu et vous remuez un petit peu comme ça pour mélanger le caramel. Mais surtout, n'utilisez pas de spatule. Voilà, vous remuez un petit peu comme ça. Vous attendez que tout le sucre est bien fondu et qu'il ait une belle dorure. Mais surtout, ne les laissez pas brûler pour qu'il n'ait pas un mauvais goût. Alors voilà, notre caramel est prêt. Il est beau, il est doré. On ne le laisse pas brûler. On va continuer. Dans un moule, voici mon moule. Je vais verser mon caramel. Voilà, un petit peu partout. Je fais attention de ne pas me brûler parce que c'est très chaud. Je bouge un petit peu. J'essaie d'en mettre un petit peu partout. Voilà. Faites attention parce qu'il chauffe très vite le moule. Voilà. Donc on essaye d'en mettre un petit peu partout. Ensuite, je prends mes ananas, mes tranches d'ananas. Je les dispose comme ça sur le caramel. Voilà. Hop. On en met bien partout. Voilà. Voilà, donc j'ai mis mes tranches d'ananas. Maintenant, on va faire la pâte. Je vais prendre donc mes 4 œufs. Je les mets dans un récipient. Voilà. Je prends mon sucre en poudre, mes 200 g de sucre en poudre. Et je vais mélanger tout ça. Voilà, donc mon mélange est devenu bien mousseux. Maintenant, je vais rajouter le beurre fondu. Voilà, et je continue de mélanger. Voilà, donc j'ai bien mélangé. Maintenant, je vais mélanger ma levure chimique avec la farine. Maintenant, on va rajouter donc la farine et la levure chimique. Donc, petit à petit, je vais mettre la moitié. Je mélange. Je rajoute la deuxième moitié. Voilà. Et je mélange. Alors voilà, notre pâte est prête.
Maintenant, on va la mettre dans le moule. Alors, on va mettre la pâte dans le moule, donc sur l'ananas. Voilà. Alors maintenant, je vais enfourner mon gâteau à 180 degrés pendant environ 45 minutes. Voilà, tout à l'heure. Alors voici notre gâteau au bout de 45 minutes de cuisson. Déjà visuellement, il est très beau. Je vais vous couper une part. Donc... voilà. Doucement. Regardez-moi ce beau gâteau. Déjà, il est bien gonflé. Il est bien moelleux. Voilà. Eh bien, j'espère que cette recette vous plaira. Pensez à mettre un like pour nous encourager. Vous abonner à ma chaîne. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Salam alaikum.